Vous êtes combien ? 7. Mystérieuse, elle se dresse telle une sentinelle silencieuse, gardienne de secrets profonds. Il y a des décennies de cela, en 1968, cette forêt fut le témoin de rituels macabres. Des chandelles illuminaient des autels improvisés, tandis que des silhouettes encapuchonnées se rassemblaient en cercle, murmurant d'ancestrales incantations. Ces pratiques rituelles, alimentées par l'obscurité de l'âme humaine, semblaient éveiller des forces bien au-delà de notre compréhension. De nos jours, la forêt porte encore les cicatrices de ces rituels. L'atmosphère est chargée d'une énergie inquiétante. Les témoignages affluent, racontant d'inexplicables manifestations paranormales. Des ombres mouvantes se faufilent entre les troncs, des voix qui chuchotent à peine perceptibles, et des lumières spectrales apparaissent. On raconte que ceux qui osent pénétrer dans cette forêt hantée se retrouvent confrontés à une réalité déconcertante. Les appareils électroniques se comportent de manière erratique et les sensations de froid intense semblent surgir de nulle part. Certains affirment même avoir aperçu des figures spectrales, des apparitions fugaces qui semblent être les vestiges de ces sinistres rituels. Toutefois, il convient de se demander si la forêt est véritablement hantée par des esprits tourmentés, ou si les résidus de ces rituels ont simplement imprégné l'environnement de leurs énergies sombres. Peut-être que les événements de 1968 ont laissé une empreinte indélébile sur ces terres. Une empreinte que nous ne pourrons jamais totalement comprendre. C'est avec toutes ces informations que nous nous aventurons dans l'obscurité de cette forêt inquiétante. Bonsoir à tous, ça y est, on y est, on est dans la forêt, cette forêt étrange, comme vous l'avez vu en présentation, c'est une forêt qui pourrait nous faire penser à celle de Brocéliande, avec des phénomènes un petit peu inexpliqués. Beaucoup de témoins nous ont orientés sur ce lieu, en nous disant que voilà, il se passe beaucoup de choses. Pour certaines personnes, tenez-vous bien, traversent cette forêt, la peur au ventre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une petite route de campagne qui longe, et puis vous avez cette immense forêt qui est de part et d'autre comme ça, hein, de chaque côté. Et il s'y est passé des choses assez hallucinantes, entre autres du spiritisme et des rites sataniques. Comme vous l'avez vu, c'est le retour de Nat qui est là ce soir pour coucou les amis. Cette enquête hallucinante. Donc on va voir, comme vous le savez, on vient sur les lieux, on va voir ce qui se passe, phénomène ou pas. On va essayer d'avoir un peu plus de réponses sur cette forêt hantée. En tout cas, déjà la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une atmosphère vraiment déjà très très curieuse. Oui, c'est vrai. Il y a une atmosphère très curieuse sur ce côté de la forêt en tout cas. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a deux côtés, mais il y a un côté qui est... Enfin, c'était un ressenti personnel, mais il y a un côté qui était... un peu moins étrange. Donc, comme d'habitude, on va mettre tous les appareils, spectre laser, transcommunication, K2, etc. Vous voyez, ça, c'est le chemin qui longe, un petit chemin, on a trouvé un petit chemin dans cette forêt, puis on va s'engouffrer plus en profondeur dans cette forêt. Et puis, il faut préciser aussi une chose, c'est que on a failli ne pas commencer le tournage,
Parce que pour l'anecdote, en commençant en fait à allumer caméra, lumière, on a commencé à se faire attaquer par des frelons asiatiques. Ah oui. Donc on s'est dit, c'est mal barré, ça et commence plutôt seul, mal. Hein. C'est-à-dire à outrance et assez corsé. J'ai dit, effectivement, le lieu est peut-être démoniaque. Alors bon, les frelons, c'est naturel, hein, c'est normal, mais bon, c'était pour la petite... Allez, on va entrer dans le sujet, on va s'engouffrer tout de suite et essayer de tenter d'avoir des réponses sur ce lieu, cette forêt hantée. Voilà, donc on commence à être bien profond dans la forêt. C'est très compliqué. Ouah, j'ai eu peur. C'est une branche qui a soulevé pas mal de feuilles mortes sur le pied. Donc c'est, je disais, c'est toujours compliqué ce genre de tournage parce que il faut savoir où c'est que vous allez, hein, malgré qu'on fait un repérage de journée pour éviter tout accident. Hein. D'ailleurs pour les plus jeunes, hein, pour regarder ce reportage, ne faites pas ce qu'on fait, hein, bien sûr. Hein. On prend toutes les précautions, tout est réglé au millimètre près en journée. On s'aventure pas comme ça, bien sûr, en pleine forêt de nuit. Vous imaginez bien. Je parle pour les plus jeunes, bien sûr. Hein. Le risque, c'est de se perdre, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, on s'est fait des petits points de repère. Parce que sinon, vous aurez vite fait de vous perdre dans une forêt où c'est qu'il fait nuit noire. Hein. Je peux vous le dire, même s'il y a quelques étoiles, c'est nuit noire. Hein. Donc là, si vous n'avez pas de lampe pour tomber en panne, ça va être très compliqué de sortir. Donc, on va mettre en place quelques appareils pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais baisser un peu la lumière. On risquera d'entendre peut-être quelques voitures au loin, parce qu'on est descendu pratiquement sur 800 mètres, cette petite route de campagne, hein, comme je vous disais tout à l'heure, où, qui coupe en fait cette immense forêt. Et il y a quelques voitures qui passent, malgré qu'il est tard. Il doit être... quelle heure il est, ma soeur, là ? Il est presque 2h du matin. Voilà, presque 2h du matin. Le créneau idéal pour entrer en communication avec les entités, hein, qui est entre 2h et 4h du matin, par expérience, bien sûr. Hein. Voilà, ça y est. L'appareil vient de finir son scan. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent cet appareil, il faut un petit moment, il lui faut environ 20-30 secondes, le temps de scanner exactement le lieu. Et voilà, donc si vous le connaissez pas, cet appareil est là pour détecter les chutes brutales de température, c'est-à-dire moins 5, moins 10, ce qui est totalement anormal. On est en pleine nuit, on est au mois d'août, la température fluctue normalement tout au long de la soirée, mais ce qui est anormal forcément si on a une chute de moins 5, moins 10 d'un coup, ce qui est pas normal du tout. Et généralement c'est localisé, hein, et ce laser par des multipoints va caler tout ça. Donc comme vous le voyez à l'écran, tout ce qui est point rouge, c'est tout ce qui est micro-insectes, donc source de chaleur, c'est ce qui est tout à fait normal. Et nous, ce qui va nous intéresser, pour ceux qui connaissent l'appareil, vous le savez, ce sont les fameux points bleus. Et donc, on pourra avoir une masse de points bleus si l'énergie est beaucoup plus importante, et voir même la silhouette de l'entité, si elle se rapproche à environ 50 cm de l'appareil. C'est le gros plus de cet appareil. Et ensuite, on fera de la Ouija et tous les appareils que vous connaissez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît ? Ouais, parce qu'on avait ressenti une présence là. Alors tu disais tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de le capturer, mais tu entendais des bruits comme des pas dans la forêt. Alors peut-être un animal, bien sûr. Hein, c'est oui, là. Été, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est surprenant quand même. On va être à l'affût de tout. L'avantage de tourner en pleine nuit, en pleine forêt, c'est que normalement, on va minimiser les bruits parasites. Oui, hormis, cette, comme je vous disais, cette petite route de campagne qui passe juste au-dessus. On est à pratiquement 800 mètres en dessous, hein, de cette route. On n'est pas descendu plus bas, parce que je dis, pour éviter de se perdre, hein, en ayant pris déjà tous nos repères de jour. Voilà, il est tard. Je pense que logiquement, il y aura très peu de voitures qui passent dans cette forêt de nuit. Hein.
C'est pas le lieu, c'est que on roule beaucoup. Oui, c'est une départementale en plus. Donc, Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Donc, comme vous voyez au sol, quelques feuilles mortes qui sont même par terre et ça va faire du bruit. On va essayer de limiter le maximum de bruit, ce qui n'est pas évident en pleine forêt. Alors, on a senti comme une présence, alors si c'est le cas, hein, à moins qu'on se trompe, mais est-ce que vous pouvez nous le préciser et manifester votre présence, s'il vous plaît? Alors, c'est tout simple, vous le savez, vous allez juste vous présenter devant cet appareil. Hein. Alors, pour l'instant, vous avez le choix. Donc, vous pouvez vous présenter devant celui-ci ou alors vous rapprocher et essayer de toucher celui que j'ai mis près de l'arbre. Ça nous permettra de savoir que vous êtes bien avec nous. Voilà, je vais vous baisser un petit peu la lumière, mais celui qui est en bas, c'est le K2. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. Donc, il pourra détecter éventuellement s'il y a une présence. Il se déclenchera par un bruit sonore et lumineux également. Pour l'instant, ici, on a des points rouges sur le capteur. Je vais baisser encore un petit peu plus la lumière pour que vous voyez bien. Et en face, je ne sais pas si on le verra assez avec, en pleine forêt, il y a tout un quadrillage avec plein de petits points laser, en fait. Hein. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? L'ambiance a déjà changé par rapport au repérage. T'as entendu? Non. T'as entendu quoi? J'ai entendu comme un chant. Ah non, j'ai pas entendu. Le micro ultra sensible de ma caméra enregistre un son étrange. Un son que je peux entendre grâce à mes oreillettes. On dirait une sorte de chant. Peut-être des résidus sonores provenant de pratiques rituelles sataniques. Écoutez attentivement. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez nous le dire? J'ai entendu comme un chant. On a encore, en tout cas, ce phénomène d'observation, ça c'est sûr. Ouais, le long du chemin quand on descendait, que vous avez vu. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait, à une certaine époque, des rites sataniques, des séances de spiritisme, et choses de ce genre dans cette forêt. Est-ce que c'est le cas? Alors, j'ai cru entendre, hein, soit si c'est une hallucination, comme un chant. Est-ce que c'était vos chants de rituel? Si c'est le cas, vous pouvez le refaire. Hein. C'est curieux, hein, ça a changé d'atmosphère. Hein. Toujours des points rouges là? Toujours, ouais. Pour l'instant, que des points rouges et uniquement des points rouges. Je vais baisser un petit peu. Si la lumière est trop forte, vous ne voyez pas. Le K2 est juste là. On voit le point lumineux. Ça y est, ils sont en train d'arriver. Ah, j'ai vu un point bleu? Non, c'est que je ressens les entités. Ça commence à... T'as des poils? Ouais. C'est léger tout de suite. Mais je ressens. Ouais, ça nous arrive de temps à autre, comme vous l'avez vu
les saisons faire des forêts comme ça quand elles sont assez intrigantes. On se croirait presque dans le film Projet Blair Witch, c'était ça je crois, hein, que ça se passait en forêt. Dans cette forêt donc soi-disant hantée. Et ce qui nous a décidé de venir, c'est tous ces témoignages qui corroborent à peu près les mêmes choses, hein, tous des témoignages qui se tiennent. Enfin, je pense qu'on doit avoir un animal. Ça fait deux fois que j'entends. L'atmosphère est spéciale quand même. Hein. Ouais. En tout cas. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte des fois à travers l'écran, mais quand on est sur place, c'est tellement différent. Donc pour l'instant, rien du tout. À part quelques micro-insectes, mais quelques lumières rouges. Donc rien d'intéressant pour l'instant. Je le répète, hein, mais c'est les lumières bleues qui nous intéressent, qui va nous signaler donc une chute brutale de température de -5.10 qui est localisée. Grâce à ce spectre laser qui envoie des multi-points laser comme ça et qui va analyser la zone. Je ne sais pas si on voit là-haut. Je sais que vous êtes là. Tu ressens quelque chose? Ouais. Ouais, c'est curieux, on se sent observé depuis tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on nous observe? On nous jauge? Venez nous parler, n'ayez pas peur, hein. On est, je pense, sur une phase d'observation avec l'entité, là où les entités présentes. On va mettre d'autres appareils, hein, pour... Encore des bruits étranges dans cette forêt mystérieuse. Nat et moi entendons simultanément la même chose. Après avoir réécouté et analysé attentivement, j'ai l'impression d'entendre des bruits de tambour. Pourrait-il s'agir encore de résidus sonores provenant des rituels sataniques? Écoutez. C'est compliqué quand même parce que oui, effectivement, on est en forêt. Oui, à tout moment, on peut croiser un animal. Ça, c'est... Mais ce qui est bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, j'entends du bruit là où je suis attirée. On s'est mis en vision nocturne. Premier appareil, un spectre laser, toujours rien pour l'instant. Et puis on enchaînera avec la transcommunication et la Ouija si besoin. Ça, c'est un animal, ça. Là, il y a une voiture qui passe. Oui, encore comme je vous disais, on s'est enfoncé. Hein. Mais après, en pleine nuit, vous savez, le moindre bruit est déjà décuplé en pleine nuit. Ça sert à rien de se descendre à 3 km dans la forêt. Hein. On l'entendrait pareil. Hein. Moins, mais on l'entendrait. À ce moment précis de l'enquête, un sentiment étrange nous envahit. Nous avons l'impression d'être observés et des bruits inhabituels dans une forêt en pleine nuit. Mais il n'y a aucune interaction ni réponse à nos questions. Dans le but d'obtenir des réponses, je vais activer la Ouija et tenter d'entrer en communication. Voilà, on vient d'activer la Ouija.
avec le oui et non. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, je vais baisser un petit peu plus la lumière. Alors, est-ce que vous êtes là? S'il vous plaît. Il y a un yes qui vient de s'afficher, à peine allumé. Quelques instants après, on a eu un yes sans poser de questions. Mmh. Ça nous a un petit peu intrigué. Est-ce qu'on va avoir plus de détails ou pas? Est-ce que vous êtes présent? On sent une présence. Est-ce que c'est vous? Vous pouvez me répondre par oui ou par non. Alors, c'est tout simple. Si vous ne connaissez pas l'appareil, il suffit juste de poser sa main dessus pour arrêter votre choix. Allez-y. Est-ce que vous êtes présent? On se retrouve, on est toujours au même endroit. Hein. L'endroit où c'est qu'on sent quelque chose de bizarre. Ouais, je ne sais pas comment vous le retranscrire, mais c'est comme si on était dans... Vous savez, dans une bulle, quoi. La forêt est immense, mais ouais. À cet endroit-là, on a l'impression d'être dans une bulle. C'est assez bizarre. Il y a moins d'insectes que l'autre côté de la forêt. Il y a moins de bruit. C'est très étrange. J'ai l'impression d'être dans... Pour vous donner ce qu'on ressent... Vous donner une idée de ce qu'on ressent, pardon. On a l'impression d'être dans une bulle, quoi, dans un espace-temps fermé. Quoi. C'est assez étrange comme sentiment. Alors que l'espace-temps semble figé à cet endroit, nous prenons la décision de nous enfoncer encore plus profondément dans l'obscurité de cette forêt. Nous souhaitons vérifier si notre ressenti demeure identique ailleurs et surtout tenter de recueillir d'autres indices relatifs à ces rituels sataniques. Voilà, donc on a remis en place la Ouija avec le fameux oui et non. Et on voudrait donc justement avoir cette réponse. On ressent une présence, mais est-ce que vous pouvez nous la confirmer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là? Qui que vous soyez, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Répondez par oui ou par non. Et pour arrêter votre choix, vous touchez l'appareil tout simplement avec votre main. Pour arrêter votre choix. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Je vais baisser un petit peu la lumière. Donc on voit bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? L'appareil est complètement inoffensif, hein, donc vous pouvez le faire tranquillement, il ne se passera rien. Si ce n'est que nous, on saura que vous êtes bien avec nous. Ah. Non. Est-ce que vous êtes avec nous? Non. Ces joueurs. Qui est là alors? Est-ce que vous voulez qu'on change d'appareil? Alors non quoi? Vous n'êtes pas plusieurs? Vous êtes seul? C'est ça? Est-ce que vous êtes tout seul? Si vous êtes seul, vous me dites oui. Ou sinon, vous reconfirmez en disant non. Est-ce que vous êtes seul? Ouais, vous voyez, bizarrement, on a changé d'endroit. Il y a cet endroit-là, ça grouille plus. Hein. C'était bizarre l'espace-temps de l'autre côté là-bas. Ouais. Je vais baisser un peu la lumière. Alors, l'entité qui nous a répondu, est-ce que vous êtes seul? S'il vous plaît. Répondez par oui ou par non. J'ai aussi cet appareil que j'ai dans la main. Si c'est plus simple pour vous, il vous suffit de toucher l'appareil que j'ai dans la main pour nous dire que vous êtes avec nous.
Ouais, donc on n'est pas au même endroit que tout à l'heure. Ouais. Là-bas, c'était, comme je vous le disais, un petit peu étrange. Un petit peu comme dans une bulle fermée. Là, c'est totalement différent. On s'aventure un petit peu plus loin. Est-ce que vous voulez qu'on revienne là où on a commencé ? Alors, on a juste eu un nom pour l'instant. Première réaction sur la Ouija. Je vais baisser la lumière pour que vous voyez bien. Vous voyez, vous avez oui, non en haut. Et puis, la réponse est en bas. Donc, c'est marqué no. Donc, en anglais, hein, non. Alors, non quoi ? Est-ce que vous êtes plusieurs ? Est-ce que vous êtes tout seul ? Je vais vous reposer la même question. Nous ressentons une présence intense dans la forêt, bien que le contact soit encore précaire. Cependant, un phénomène étrange vient de se produire. Nous n'avons pas pu effectuer de séance de transcommunication, car la Spirit Box a fonctionné seulement 5 secondes, malgré une pile neuve qui s'est vidée anormalement. Étant donné que la voiture est trop éloignée pour changer de pile, nous sommes forcés d'abandonner cette séance. Donc on a mis la Ouija en place, le spectro laser qui vient de finir son scan. On va voir si on a plus de détails. Je vais baisser un peu la lumière. Si on a plus de résultats ici. J'ai entendu comme un bruit. Hein. Oui, mais c'était un point rouge. Il y a quelque chose qui s'est rapproché. Oui, parce que le spectro laser est sonore également. Si ça se rapproche, il y a un bip hein, qui va être de plus en plus strident, plus ça se rapproche. Quoi. Alors, on sent une présence, on vous demandait tout à l'heure, est-ce que vous êtes seul ? Si c'est le cas, vous pouvez nous le dire sur ce boîtier à droite qui est la Ouija. Oui ou non, pour arrêter votre choix, vous posez votre main dessus tout simplement. Est-ce que vous êtes seul ? Ou à plusieurs ? Car pour l'instant, notre ressenti, c'est beaucoup d'observations, mais peut-être qu'on se trompe. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Si vous êtes seul, vous dites oui. Et si vous êtes plusieurs, vous nous dites non, bien sûr. On risquera peut-être d'entendre le frelon. Parce que moi, je l'entends à l'oreille. Hein, à l'oreillette. Alors, le micro est beaucoup plus sensible et moi, le son est décuplé, mais... Ça sera, je veux dire, par là, ça ne sera pas un phénomène. Hein. Ça sera tout à fait normal. Alors, vous pouvez nous répondre via ce boîtier-là. Si... Ah ! Oui ? Non ? Oui. Oui ou non ? Vous pouvez nous préciser ? Oui et non ? Vous êtes tout seul et à plusieurs ? Comment je dois l'interpréter ? Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est la lumière que vous voyez bien, vous avez vu, hein, ça dit oui et non d'un coup. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les chiffres pour demander le nombre d'entités présentes ? Voilà, je vous ai mis les nombres. Si vous êtes plusieurs, vous êtes combien ici ? S'il vous plaît. Ce tournage devient de plus en plus difficile. 6 ? 7 ? 7 ? Alors, pour être sûr, je vais vous reposer la même question. Vous êtes combien présents avec nous ce soir ? J'ai l'impression que ça s'emballe de plus en plus. Hein. Il y a eu comme une alerte sonore ici, vous avez vu ? Ouais. Vous êtes 7 autour de nous ? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes bien 7 ? Ah, ça y est, on commence à avoir des points bleus. Il y a des points bleus. Alors, vous nous avez dit que c'est 7 ? Je vous ai mis le oui et non maintenant. Est-ce que c'est ça ? Vous êtes 7 personnes à nous observer ? Je vois que ça commence à se déclencher ici. Ça a mis le temps, hein ? Ah oui, parce que c'est coupé au montage, mais ça fait déjà longtemps. Hein. Oui. En
Enfin, nos appareils commencent à capter des présences. Cependant, notre concentration sur le tournage devient de plus en plus compliquée. Nous sommes, par moments, attaqués de toutes parts par des frelons asiatiques, ce qui nous oblige à interrompre le tournage pendant quelques secondes jusqu'à que la situation se calme. On a toujours quelques points bleus un peu timides sur le spectre laser. Donc la déduction pour l'instant, il y aurait 7 personnes qui nous observent. Parce qu'on se sent observé, donc on voulait avoir confirmation là-dessus. Et il commence à avoir des points. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus là? C'est un papillon. Ah, c'est un papillon. A priori, le frelon, il est parti. C'est déjà la bonne nouvelle. Ah. On a des petits points bleus un peu timides. Mais en tout cas, merci déjà pour l'effort que vous faites. On est venu chercher des réponses, en fait, par rapport à tous les témoignages qu'on a pu recueillir sur cette forêt. J'aurais bien voulu avoir une confirmation, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes bien 7 présents autour de nous? Oui, parce qu'on a eu le chiffre 7 et on voit que ça s'emballe sur cet appareil, donc il faut être partout. J'essaie de tout vous montrer à la fois. Est-ce que vous pouvez nous confirmer? C'est bien ça, on a eu le chiffre 7. Hein. Vous êtes 7 personnes? Alors c'est un petit peu timide pour l'instant, mais il y a des points bleus. Décidément, cette enquête devient de plus en plus difficile. Le spectre laser vient à son tour de nous lâcher. La batterie de l'appareil vient de se décharger, elle aussi, anormalement. Nous sommes malheureusement contraints d'arrêter le tournage prématurément. Bon, spectre laser, plus de batterie d'un coup, aussi qui a fondu comme neige au soleil. Donc, ça fait deux. Ça fait deux appareils, effectivement. Ça commence à faire beaucoup, j'ai envie de dire, qui est totalement inhabituel. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Mais c'est surtout que avant chaque enquête, tu changes les piles et tu mets les piles neuves justement pour anticiper. Oui, c'est chargé pour ça. Oui. Tout est checké avant, bien sûr, hein, vous l'imaginez bien, pour éviter les déconvenus. Mais ça nous étonne pas, on est habitués, hein, nous, hein, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Souvent, les entités, quand elles sont proches ou besoin d'interagir, vont puiser dans l'énergie. Alors, ça peut être les batteries de nos appareils. Hein. Comme je disais tout à l'heure, même ceux que des personnes qui doutent, ça arrivait à la journaliste de France 3 qui nous avait filmé en immersion, si vous avez vu le reportage, pour ceux qui l'ont vu, et ça arrivait trois fois. Hein. Même elle a halluciné, elle dit « je comprends pas, je viens de changer les piles ». Alors nous, on est habitués. Mais voilà, d'accord. Ce soir, Spirit Box, plus de piles. Le spectre laser, qui habituellement fait tout le temps du tournage, là, j'ai plus rien. C'est quand même fou. Le sentiment pour cette première nuit d'investigation est plutôt mitigé. Toutefois, nous avons pu recueillir quelques indices intéressants, comme les sons capturés par le micro de la caméra, ce chant étrange et les bruits de tambour. Mais le plus étrange, c'est l'hécatombe de nos appareils qui sont presque tous tombés en panne de batterie de manières étranges et anormales. Mais ce qui nous réconforte pour la suite de notre investigation, c'est que tous les témoignages recueillis corroborent exactement avec les phénomènes que nous avons eus ce soir. Désormais, la grande question qui persiste est de savoir si cette forêt mystérieuse nous dévoilera tous ses secrets.